Je te rappelle, je suis en reportage. N'avancez pas. Claude. Rapport synthèse de la direction socio-médicale.
8, rapport sur les ressources humaines. 9, inventaire du patrimoine immobilier de 2018. 10, rapport sur les organisations interparlementaires, SADEC, APF, ACTBAPUE, UPA, UIP, APF, et les associations des personnels administratifs, ainsi que des arriérés de cotisation. 11, arriéré législatif de la session ordinaire de septembre 2020. 12, répertoire du personnel de l'administration du Sénat ayant contacté les crédits à la POA et à la ROPA. En foi de quoi nous, sous-signés, avons établi et signé un procès verbal fait à Kinshasa pour le bureau d'âge du Sénat, André Moukouba Tribunalina Patrion, pour le bureau définitif du Sénat, Bahati Kouébo Fontes. Merci. Maintenant, nous allons assister à la signature du procès verbal par les deux présidents. Honorable président du bureau d'âge, vous avez la parole pour votre nom de circonstance. Monsieur le membre du bureau du Sénat, mesdames et membres du bureau du Sénat, c'est une joie immense pour moi de vous accueillir. Je vous félicite d'abord pour votre élection. Et sûrement, ce choix n'est pas fortuit. Il exprime d'abord la volonté du Sénat d'être dirigé par lui et aussi l'espoir que cette volonté ne sera pas dite. Il ne serait pas tellement long. Je suis aussi sénateur, j'ai aussi participé à ce vote. Je ne puis que dire félicitations et du bon travail. Maintenant, nous allons suivre le mot de l'honorable président du Sénat. Honorable président du bureau d'âge et cher aîné, madame et messieurs les membres du bureau d'âge, en ce jour du 5 mars 2021, nous nous retrouvons ici à cet instant pour procéder à la remise reprise. Une remise reprise toute particulière dans la mesure où un bureau définitif, genré comme on le dit, avec 3 femmes et 4 hommes, va désormais conduire le Sénat de la République démocratique du Congo. De prime abord, honorable président du bureau d'âge, laissez-moi, au nom du bureau, du Sénat de la République démocratique du Congo, de vous féliciter et de vous remercier
pour le précieux travail abattu durant cette session extraordinaire. Je dois sincèrement dire que le Sénat de la République démocratique du Congo a eu la chance de vous avoir, oui, pourquoi ne pas le souligner, un juriste chevronné qui totalise des décennies et des décennies en tant qu'avocat, et nous avons senti cette rigueur juridique dans votre méthode de travail. Nous devons remercier également les deux collègues qui vous accompagnent pour le précieux travail abattu. Ils ont su être à la hauteur des attentes des sénateurs. Ce jour marque effectivement la rupture avec tout ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que nous avons promis à vous, les sénateurs, nos électeurs, mais également au peuple que nous représentons et aux provinces qui comptent sur vous, nous avons promis de redorer l'image de notre Sénat, mais également de nous impliquer de manière sérieuse dans les tâches qui sont les nôtres, à savoir légiférer et contrôler réellement et effectivement l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et les services et établissements publics. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous savons que beaucoup de choses nous attendent. Nous savons qu'il y aura beaucoup de réformes institutionnelles. Nous demanderons à nos collègues sénateurs de prendre des initiatives pour que nous puissions le plus rapidement nous attaquer à ces réformes de manière à ce que nous puissions d'ici là permettre à ce que les élections s'organisent dans notre pays et qu'il y ait beaucoup plus de transparence qu'avant et que la volonté du peuple soit respectée. Nous nous sommes aussi engagés à gérer correctement, avec parcimonie et dans la transparence, la dotation budgétaire qui sera mise à notre disposition. Nous sommes conscients que le pays traverse une situation très difficile et que les finances publiques ne se portent pas mieux. D'où nous-mêmes, nous nous engageons également à serrer la ceinture et à ne consacrer les ressources qu'à l'essentiel. Nous voudrions rassurer le personnel administratif que nous sommes là également pour veiller à leurs préoccupations et à celles de leurs familles respectives. Chacun des membres du bureau a des attributions et nous, en tant que coordonnateurs de cette équipe, nous veillerons à ce que chacun des membres du bureau assume correctement ses responsabilités. Que ce soit le social des sénateurs et de leurs familles, que ce soit le social des administratifs et pourquoi pas soigner les relations entre les autres institutions et les partenaires, y compris les fournisseurs. D'où aujourd'hui nous disons grandement merci à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est en fait le précurseur de cette révolution, de ce changement intervenu en pleine législature, parce qu'il a voulu que, à travers sa vision qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, il y ait désormais une nouvelle gouvernance, la bonne. Que cette fois-ci, nous puissions rompre avec le passé, que nous puissions abandonner toutes les antivaleurs et que nous puissions nous consacrer uniquement au travail que le peuple attend de nous. Voilà pourquoi nous tenons donc à rendre cet hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais nous ne pouvons pas non plus oublier que le peuple qui, à travers les élus provinciaux, les députés provinciaux qui nous ont élus, même s'ils traversent des moments difficiles en ce moment du fait qu'ils ne sont pas payés, qu'ils sachent que nous n'avons pas oublié que c'est grâce à eux que nous sommes ici aujourd'hui. Et donc nous avons des comptes à rendre et au peuple et aux députés provinciaux. Voilà pourquoi, pour ne pas être très long dans notre speech, nous vous rassurons que nous allons
faire de notre mieux pour qu'il y ait une harmonie et une bonne coordination de notre équipe de manière à répondre à vos attentes. Ainsi donc, nous vous remercions infiniment. Nous remercions l'assistance pour être venu immortaliser cet événement. Mais nous remercions également la presse et comptez sur nous. Je dis et je vous remercie. Maintenant, les deux présidents vont procéder à l'échange des signataires.